Dans elle, épisode de famille nombreuse, la vie en XXL à découvrir le vendredi 7 janvier 2022 sur TF1, Florie Galli explique que le baptême de ses enfants arrive dans quelques semaines. Elle achète des tenues pour Paul et les tripes. Elle décide d'aller faire du shopping seule, pour son plus grand bonheur puisque les enfants sont parfois turbulents quand ils font les courses. Florie Galli révèle que son budget veut tellement aider, une centaine d'euros par enfant sauf pour Paul qui devrait coûter moins cher. Elle avoue que Hélène a pas elle, habitude d'acheter des vêtements. La mère de famille a pour habitude d'échanger avec des amis ou utilise des vêtements de seconde main. Cela lui a permis d'économiser pour le baptême. Dès le premier magasin, Florie Galli trouve ce dont elle a besoin, notamment des robes pour ses filles. Une mission accomplie pour la femme de Bastien puisque pour les 4 tenues achetées, elle en a pour près de 300 euros. Elle estime ce budget correct, car c'est en dessous de ce qu'elle était fixe. Elle, épisode inédit de famille nombreuse, la vie en XXL de ce mercredi 5 janvier 2022 rassemble 1,87 million de téléspectateurs, soit 14,3% part de marche sur elle, ensemble du public. Elle, émission connaît une hausse de 1,9 point par rapport à elle, édition du 15 décembre 2021 et un gain de 0,3 point par rapport à la veille. Sur la cible commerciale, le docu-réalité a séduit 29,7% et femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Une excellente performance pour elle, émission qui permet à TF1 de faire exploser son audience. Famille nombreuse, la vie en XXL et à retrouver du lundi au vendredi dès 17h30 sur TF1.